on the side, people 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 on the side, all the people on the side, people on the side, people on the side. And the board is sitting flashing like, what's going on? It's just another fact of life for me, really one that you wanna listen to. What's going on, man? The freestyle official dude, and he's on a dollar or a bar and stop. Two cops will chop it up to make you feel rude. All around town, people trying to get down. All around town, people trying to get down. People in the back, people in the front, people on the side, all the people on the front. People in the back, people in the front, people on the side, people on the side, people on the side, people on the side. Thank you.
Bienvenue à Milan, au stade Giuseppe Meazza, car c'est ainsi qu'il faut l'appeler quand c'est l'Inter qui reçoit. Ici Grégoire Margoton, je suis ravi de retrouver Darren Tulette pour commenter cette rencontre. Hello Grégoire, et hello à vous aussi, chez vous. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Eh bien, il faudra surveiller David Silva, selon moi. C'est un meneur de jeu capable de trouver la bonne passe à tout moment. Un régal à regarder jouer. C'est pas faux, il joue un rôle décisif dans cette équipe. L'Inter, que vous avez souvent vu jouer, Darren, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une équipe qui aime avoir le ballon, contrôler le tempo et faire courir l'adversaire. L'objectif est bien clair, faire tourner le ballon en attendant de trouver des solutions. Et il prend sa chance! Ouf, ils s'en sortent bien là, d'un cheveu! C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Hausson qui cherche à construire. James Rodriguez. Alors, que va-t-il faire ? La passe dans la profondeur. Le bon dribble. Il relance côté droit. La tentative! Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu! Oui. Il a été très réactif sur ce coup et s'est procuré une bonne occasion après avoir chippé ce ballon. Arias, qui a un peu d'espace. Belle passe lobée sur l'aile. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Premier corner dans cette rencontre. Oh, la tête! La parade exceptionnelle! James Rodriguez, Hausson qui récupère ce ballon pour trouver la faille dans la défense. Attention, occasion! Il s'échappe. Oh, c'était dangereux, quel geste! Arias. Touche. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Ah, ça aurait pu donner quelque chose, mais ça n'ira pas au bout. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Antonelli. Il écarte le jeu. Oh, très bon ballon. Le coup de tête!
Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile! Un bon pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque, c'est bien joué! Mauvaise intervention, faute là-dessus. Aïe! Merde! C'est mon dîner, gars! Comment est-ce que c'est cette balle-là, comme elle dit? Elle est fou, man. Ouverture vers le poteau de corner! Elle est fou, man. Allez, ça peut faire mal! Silva. Et ce ballon sur l'aile. Le centre d'Antonelli. L'interception, bien joué. Silva. L'Inter qui essaye de construire. Rotan, Ander Herrera, Cristiano Ronaldo, Khedira qui met un terme à cette attaque patiemment construite. C'est joué long, attention, et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Repiqué dans l'axe peut-être. Allez. Antonelli, il écarte, il joue sur l'aile, il est bien placé. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Ander Herrera. Haussan qui a de la liberté. Mais ce serait sans doute une bonne idée d'ouvrir le score au meilleur des moments possibles, juste avant la pause. Terry. Bonne intervention, il y avait danger. Oh, voici Khedira. Ça peut partir en contre. Il est lancé vers le poteau de corner. On joue sur l'aile, il est servi. Il part. Il tire. Oh, ça rentre. Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait. Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Bien, c'est reparti. Ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Il voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements pour la deuxième période. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve.
Bon, je vais faire un peu mon Captain Obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Ouverture vers le poteau de corner pour trouver la faille dans la défense. Ça sent la frappe. Il est passé. Et c'est intercepté. L'Inter qui cherche l'ouverture. Il est lancé vers le poteau de corner. Quelle vitesse, impressionnant. C'est un bon mouvement. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Mais ça sort en touche. La passe dans la profondeur. Oh, l'interception! Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Il tente de la jouer dans l'espace. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Waouh, un tacle magnifique. D'autant qu'il était pas mal sous pression. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. L'accélération. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison. C'est un véritable cauchemar de défendre sur lui. C'était difficile comme geste. Et c'est directement récupéré. Bon, voici Khedira. Khedira qui veut se projeter. Et ce ballon sur l'aile. Alex Vidal reçoit le ballon. Il choisit là-bas, sur l'aile. Il y a peut-être un coup à jouer. Dans la surface. C'est dégagé, loin devant. C'est quand même le genre de situation où l'esprit d'équipe peut faire la différence. Il reste du temps, rien n'est perdu encore. Antonelli, il écarte le jeu. Alors, que va-t-il faire? Terry, qui a mis son pied en opposition. La passe en retrait vers son défenseur. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Belle passe lobée, le bon jaillissement. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exact. Hors jeu. Il a fini de s'échauffer, il va pouvoir rentrer en jeu. Et c'est un attaquant qui rentre. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Oh le contre, l'arme fatale. Ah c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est joué long, attention. Ander Herrera, qui a de l'espace. Ander Herrera, qui vient de signer un nouveau contrat au club. Quelle fidélité. Cristiano Ronaldo, qui choisit de jouer en retrait. Il est marqué de près. Arias. James Rodriguez. Ouverture vers le poteau de corner.
C'est un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Un ballon intéressant. Ce sera une remise en jeu. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Il rejoue derrière lui. Allez, ça doit faire but. Oh, il l'a récupéré. Antonelli. Ça va très vite, sur le côté gauche. Prames Rodriguez, qui cherche à construire. Il est à distance de tir. Faut tirer là. Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. C'est grâce au gardien que son équipe est toujours en vie. Bien joué. Il choisit là-bas, sur l'aile. Et voici Söderlund. Silva. Il s'impose physiquement dans ce duel. Et ce ballon sur l'aile. C'est centré dans l'axe. C'est dégagé. Il va falloir qu'il se rêve. Oh, le cadeau. Il tente sa chance. Ça passe à côté d'un rien. Ah, ça aurait pu faire, mais je sais pas passer loin. Et c'est récupéré encore une fois. Il... Attention, la frappe. C'est caca, ça, mais c'est une gaffe, là, mais c'est... Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Non, on ne tirera pas aujourd'hui sur la défense malgré cette défaite. Ce sont les attaquants qui ont manqué de conviction et surtout de précision. On peut dire qu'ils ont laissé passer leur chance. Ils ont eu beaucoup d'occasions quand même. Malheureusement, il n'y a jamais eu la finition. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt. Do you dare to love your mistakes? It can be that million.
let's let me finish that one. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Grégoire, c'est un grand plaisir de commenter cette rencontre à vos côtés. Et c'est donc parti. Rien ne semble pouvoir perturber ces joueurs, la montée est déjà acquise, ils ont une grande sérénité. Haussan. L'interception au bon moment. Oh, le contre, l'arme fatale. La passe dans la profondeur. Non, voici Belanda. Il a tenté, bien joué. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Et ce ballon sur l'aile. Ouh. Une occasion. C'est bien fait ça. Il a centré la tête. C'est au fond. Il est monté tout en haut du ciel pour la reprendre celle-là. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction et ça vous donne un but. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ander Herrera qui a de l'espace. Rotan. Cette possession un peu stérile. Il n'arrive pas à se rapprocher. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était une action digne de son talent. Oui, mais il a joué un peu trop perso, là. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Bien joué, ça! Il est bien placé, il peut y aller! Et oui, but! Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. Thank you.
Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Caner Erkin. Oh, il a pris des risques. Ce sera un coup franc. En retrait, il écarte, il joue sur l'aile, il la remet, il est tout seul, il centre là-bas au second poteau, Carillo, oh l'énorme occasion de la tête. Garay, qui a un peu d'espace. Hausson. Cristiano Ronaldo. Et le cadre se dérobe largement. Il avait réussi le plus difficile, prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. Belle passe lobée sur l'aile. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. La bonne passe. Alors, que va-t-il faire? Oh, Cristiano Ronaldo. Ça va sur l'aile. Cristiano Ronaldo. Le bon dribble. C'est bien donné. Le tacle est très propre. Il est servi. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Il joue en profondeur. Et cette tête! La passe était parfaite, c'est du gâchis. Mais quelle vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. Repiqué dans l'axe peut-être. Il décide d'allonger le jeu. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Long ballon dans le sens du jeu. Rotan qui a mis son pied en opposition. Hausson. Rotan. Garay. Qui a de la liberté. La maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Ander Herrera. Il tente de la jouer dans l'espace. Phil Jones qui allonge. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Caner Erkin. Et il choisit de jouer en retrait. Cazorla. Oh, il a bien vu son coéquipier. Belanda qui cherche à construire. La passe interceptée. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Mais là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. 2-0, c'est une avance déjà confortable. Thank you.
Allez, on est reparti. Ça manque un peu de solution. Belanda, il allonge. Le drapeau s'est levé hors jeu. Alors là, ça s'est joué à un cheveu. Ander Herrera. Cristiano Ronaldo. Au nouvel essai. Ah, femme là. Ah non, car. Heureusement qu'il était là. Ah, mon ballon n'est pas shooté. Espèce d'aller, c'est. Cristiano Ronaldo s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Quand le gardien au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Oh, Cristiano Ronaldo. La tentative. Oh, c'est un arrêt important, ça. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Oh, c'était pas loin. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Oh, très bon ballon. Et non, ce sera un 6 mètres. C'est joué long vers le poteau de corner. La faute. L'arbitre est clair et lui dit de vite se calmer. S'appliquer sur ce genre de centre, il y avait pourtant plein de joueurs disponibles dans la surface. La passe est précise. Erkin qui a un peu d'espace. Oh, voici Cavani. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. Repiqué dans l'axe, peut-être. La longue ouverture sur l'aile. Voici un bon sang. Et la tête. Il peut encore frapper. Quel manque de conviction sur cette frappe. C'est bien fait, il y a vraiment cru, mais il manque de réussite. Et l'entraîneur qui fait rentrer du 109. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur a passé sa deuxième carte. Il y a danger. Il rejoue derrière lui, en retrait. C'est plutôt intelligent. Il est servi. Ça peut être dangereux. Nouveau but dans ce match. 3 buts d'avance. L'affaire semble être pliée maintenant. Tout est magnifique dans ce but.
C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Et ils essaient de repartir de derrière. Phil Jones. Belanda. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. Hausson. Oh, Cristiano Ronaldo. Hausson va avoir besoin de soutien là. Alors, que va-t-il faire? Et ce ballon vers ses attaquants. Il a fini de s'échauffer, il va pouvoir entrer en jeu. Il quitte le terrain, applaudi par tout un stade. Quel match il a fait! Bah écoutez, il a fait son match, il peut être content de lui. Ballon récupéré, ça peut être dangereux. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Mathieu. Belanda. Un ballon intéressant. Jolie passe lobée. Le long dégagement du gardien. Oh, Cristiano Ronaldo. Et c'est récupéré encore une fois. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Cristiano Ronaldo. Et ça se joue à rien. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. C'est allongé, la longue passe, il peut en profiter. Ander Herrera. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il était bien présent. Rotan. Hausson. Cazorla. Ce contre peut très bien aller au bout. Negredo. Il choisit la profondeur. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Hausson. Quelle inspiration! Il relance côté droit. Dans l'espace. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin du match. Que dire à l'issue d'une telle victoire? Simplement que les meilleurs ont gagné, que cette victoire est largement méritée. Alors, votre analyse sur cette rencontre? Ils ont marqué très vite dans ce match et ça a boosté leur confiance. C'est là qu'ils ont fait la différence puisqu'à l'arrivée, ils s'imposent par un seul but d'écart. C'en est terminé, Darren, pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir.
Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Grégoire Margoton pour vous servir et à mes côtés, notre expert maison, Darren Chilet. Coucou Grégoire et merci à vous de nous retrouver pour ce match. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Klein qui a de l'espace. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il est passé. Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Ander Herrera. Oh, il a bien vu son coéquipier. Rien ne semble pouvoir perturber ses joueurs. La montée est déjà acquise. Ils ont une grande sérénité. Il y a peut-être un coup à jouer. Attention au centre. Oh, la frappe! Oh, c'est un arrêt important, ça! C'est un super arrêt. Fine save. Du score, ça y est, ce match est vraiment lancé. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Rietveld. Il décide d'allonger le jeu. Oliver Torres. Maradona. Bolt reçoit le ballon. Belle passe lobée. Rotan. Il cherche son coéquipier. Et ce ballon sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Oh, le petit ballon piqué. Allez, de la tête. Ils obtiennent un coup franc. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Il frappe! Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Puissant sur l'aile. Chance sur ce coup. Messi. C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile! Alors, que va-t-il faire? Il écarte, il joue sur l'aile. Il écarte le jeu. Ah, il est bien monté. Quelle fait du bien cette interception! Oliver Torres. Ibrahimovic.
Maradona. Guerrero, le jeu repart vers la droite. Il s'enfonce côté droit. Klein. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Ballon intercepté, ça soulage la défense. Hausson. Il joue en profondeur. Maradona qui cherche la faille. Hausson. Cristiano Ronaldo. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Long ballon dans le sens du jeu. Guerrero. 30 minutes au chronomètre dans cette première période. En retrait pour repartir proprement. Oliver Torres. Ritwald. Guerrero. Ibrahimovic. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. Ça manque un peu de solution. Rotan. Oh, la maîtrise! Quel bonheur pour les yeux! Il va provoquer. Oh, ça peut être dangereux. Un long ballon vers l'avant. Ibrahimovic, qui a un peu d'espace. Oliver Torres, à droite. Un ballon intéressant. Messi! Oh, très bon ballon! Il tire! C'est repoussé! Et le gardien peut s'en saisir. Hausson. Ander Herrera qui choisit le côté gauche. Repiqué dans l'axe peut-être. Il est bien placé. Il est resté calme en voyant son adversaire partir au dribble. Bonne intervention. C'est la pause ici. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. En
Ander Herrera qui a un peu d'espace. Maradona. Guerrero. Oliver Torres. Maradona. Bolt. Il choisit là-bas, sur l'aile. Pour trouver la faille dans la défense. La frappe. Ça rentre. Et voilà qui rend les choses intéressantes. Le prochain but va être crucial. Ils ont complètement déboussolé leurs adversaires avec ce 1-2. Une magnifique action collective. Le jeu reprend sur un score de parité. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. C'est joué long vers le poteau de corner. On joue sur l'aile, il est servi. C'est joué long. Messi. Klein. Guerrero. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Ouverture vers le poteau de corner. La touche à suivre. Ander Herrera, qui est marqué de très très près. C'est peut-être une bonne solution à court terme, mais il risque de ne pas tenir tout le match à ce rythme-là. Il allonge. Quelle bonne passe. Le bon dribble. Cristiano Ronaldo. Ah là, c'est tout de même pas très rassurant de la part du gardien. Oliver Torres. Le SC Corinthians qui peut construire. Ibrahimovic. Oh, Messi! La longue ouverture sur l'aile. Messi, bien servi sur le côté. Oh, il l'a récupéré! La bonne passe. L'accélération. Rotan, ça joue à gauche. Ça manque un peu de solution. L'entraîneur n'a toujours pas fait de changement, ça va peut-être venir. Belle passe lobée. Bien joué ça. Et un bon centre dans la surface. Oh, ça se joue à quelques centimètres. Maradona. Bonne intervention. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Il cherche son coéquipier. Guerrero. Belle passe lobée sur l'aile. Haussan. C'est un bon mouvement. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Oh, Cristiano Ronaldo. Il écarte le jeu. Haussan reçoit le ballon. Un centre dans la surface. C'est joué long. Il glisse le ballon en profondeur. C'est bien fait. Il cherche à le servir. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Garay, il décide d'allonger le jeu. C'est puissant sur l'aile. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Pas de hors-jeu, il y va. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Bonne lecture de la trajectoire. Ibrahimovic, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Qui est le plus fatigué? Qui peut aller chercher le but de la victoire? Il faut faire vite, le chrono tourne. C'est le moment ou jamais de marquer ce but ô combien précieux.
Oh, le coup de tête! Ah, il n'arrive malheureusement pas à la mettre au fond. Ah, il a trébuché sur cette intervention. Oh, Ibrahimovic. Le ballon sort en touche. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Il est passé. Il va au duel. Quel tacle! Long ballon dans le sens du jeu. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Le jeu repart vers la droite. Ibrahimovic. Oliver Torres. C'est étonnant. On a l'impression qu'il se contente du minimum. Faut se projeter vers l'avant, dès maintenant et rapidement. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Et finalement, deux équipes qui vont se quitter aujourd'hui sur ce score nul. Et les spectateurs dans le stade et nous, on a assisté quand même à un très bon spectacle. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite. C'est la fin de notre après-midi football. On doit se quitter. Darren d'Angleterre, merci d'avoir été avec nous.
Passez. Sentez-vous.